Bonjour à tous et à toutes. J'espère que... C'est quoi cette tête de gogole? Je vais me mettre comme ça on voit pas mes cheveux. J'ai l'impression d'être trouble. Dites-moi. Franchement, ou c'est mes yeux qui sont troubles. Enfin bref. Alors, en fait, pendant... T'es sérieux? Là, je vais le mettre en manuel. Voilà, comme ça bougera plus. Donc, pendant 2 semaines, en fait, je me suis pas du tout connecté. Je me suis déconnecté total d'Internet. D'où le nombre incalculable de photos qu'il y a sur mon Instagram pendant ces 2 semaines. Et surtout, les nombres de commentaires que j'ai eu en 2 semaines. Ouais, ça fait. Bah, déjà, bah, j'en ai eu plus aujourd'hui parce que aujourd'hui je suis de retour que sur la semaine. Ah, si, j'en ai eu beaucoup sur ma vidéo créa de la semaine dernière. Voilà. En tout cas, merci hein, pour m'avoir. D'avoir suscité autant d'engouement pour mon. Le mec qui sort des mots. Je sais pas d'où ils sortent. Donc, alors, je vais commencer par le petit monde de Peg. Alors, comme je viens de dire, j'étais déconnecté. Donc, elle m'a tagué en fait sur une de ses vidéos. Donc, quel créateur? Normalement, c'est quel En plus, je crois qu'elle a fait la même truc créatrice. Parce que je l'ai regardé ce matin, la vidéo. Donc, je le ferai. Je ne sais pas si je le ferai dans la journée. Je ne sais pas si je le ferai sur une vidéo à part, hors vlog en fait. Je vais voir. Voilà. Alors, Marie-France, contente de voir ton sourire, ça fait du bien. Merci. Bon, je raconterai pas la suite parce que voilà. Trop bien une vidéo de toi alors que c'est mon premier jour d'école d'auxiliaire de puère. De puériculture. Tris. Culture. Puéricultrice. Bah, bon courage à toi. Ah, Romain is back. Tu n'as pas de chance pour le temps. Ici, c'est canicule. Bon, bah, t'as de la chance parce que nous, franchement, le temps, il est merdique. Pauvre tapis de billard. Alors, t'inquiète pas, il est couvert. Hein, le tapis de billard, il y a des trucs dessus, mais déjà, c'est pas des trucs super lourds. Mais il est couvert. Alors, j'avais content de te revoir. Tu as une super maquilleuse et une mini vlogueuse. Ouais, c'est clair. Elle est en mode. Elle est vraiment en mode là en ce moment. Elle est en mode chiante. C'est, faut dire ce qui est, hein. Vivement que l'école recommence. Ça m'avait pas manqué, ça, par contre. Bon, il y a plus de voisins. Les voisins sont partis, donc les Parisiens sont partis, les Anglais sont partis. Ça fait du bien. Mais là, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va venir nous faire chier. On m'a posé la question où est-ce que j'étais parti en vacances. Alors je suis parti en vacances dans les Landes, mais le temps était pourri. Voilà. Voilà. Voilà où voilà. Donc petit déjeuner avec du Milka. Milka de chez Action. Non, j'ai. Géant. Enfin bref. Bon, je suis un boulet. Ça faisait longtemps. Hein, bien sûr, je n'ai plus l'habitude de filmer, donc j'ai oublié de prendre une batterie dans mon appareil photo. Boulet? Ouh, il y en a un, c'est frein, il faudrait qu'il les change. Sinon, j'ai oublié de vous dire qu'il y a toujours un giveaway hein, jusqu'au 31 août. Il y en a même trois exactement. Il y en a un sur ma chaîne YouTube, un sur ma page Facebook et celui-ci des cartes ATC. J'en profite aussi pour vous dire que, parce que j'en avais parlé, mais j'en avais juste parlé vite fait, que je ferai donc à partir du 1er septembre, je ferai un appel de cartes ATC sur le thème de la rentrée scolaire, de l'école, tout ça, tout ça. Enfin bref, là on va à la plage tranquillement. Il y a encore des touristes. Franchement, je peux vous dire qu'il y a encore des touristes sur la route. C'est abusé. C'est quand vous rentrez chez vous, sérieux, quoi? Bon allez, on va à la plage.
On est arrivé à la plage, alors en fait on n'avait pas remarqué qu'il y avait un peu de vent et un peu d'entrée maritime. C'est pour ça que c'est un peu voilé. Finalement il n'y a personne sur la plage. Oh, l'eau elle est pas trop froide, elle est pas chaude mais elle est pas trop froide encore, ça peut aller. Donc on va aller vite fait se baigner, on va aller voir. Je voulais faire de la plongée mais en fait il y a énormément d'algues et de vagues qui tapent sur les rochers, donc je suis un peu dégoûté pour ça. Bon c'est pas grave, hein. J'ai mon drone, donc au pire vu qu'il n'y a pas trop de monde, je vais essayer de faire décoller mon drone tranquillement. Timelapse, tout ça, allez, c'est parti pour une après-midi de plage, même pas parce qu'on a un pique-nique et tout, donc il est quelle heure? 11h30, voilà, 11h30 à la plage, il fait 25-26 degrés. Pour le côté météo, quoi. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait de plage. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, vous allez me dire. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de plage quand même. On a repris encore des couleurs, même si je pense qu'on est assez bronzé comme ça. Enfin bref, donc ouais, on a assisté, comme vous venez de voir, à un truc bizarre. C'est la première fois qu'on voit ça en 4 ans qu'on habite là. Ouais, bientôt 4 ans qu'on habite là. En fait, en gros, il y a eu un bateau qui est arrivé, qui a fait avec un filet. Et en fait, il ramenait tout. Il y avait plusieurs personnes en train de tirer, comme vous venez de voir. C'était, mais en fait, je le décris. C'était bizarre, c'était marrant. En fait, il y avait des gens. Le pire, c'était les gens. C'était genre, je vais dire des touristes. Ouais, je sais, je vais être chiant avec ce mot-là, touriste. Mais en fait, c'est des personnes qui travaillaient pas non plus avec les personnes du bateau. En fait, c'était des personnes qui étaient sur la plage et qui aidaient, genre pour ramasser le poisson, tout ça. Donc c'est pour ça même Adam et Yael, parce que Yael a pas voulu. Yael et Adam, ils sont partis ramasser les poissons, les mettre dans les. Je suis pas stable. C'est moi qui suis pas stable, c'est pas le truc. Hein. Et voilà, donc c'était assez marrant et ouais, bizarre à voir parce que ça fait au moins 4 fois que je dis c'était marrant et bizarre, je crois. Enfin bref, ça me gratte, ça me démange le nez, je le sens que ce soir je vais éternuer. Enfin bref. Oh là là, le mec qui se répète, je suis fatigué. C'est pour ça. Voilà. Donc on m'a dit. J'espère qu'il y aura contente de te voir, mais j'aimerais plus de créa, voilà, plus d'ateliers. Alors pour être franc, cette semaine je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'ateliers parce que déjà demain on va changer les roues de la voiture, donc déjà on en a pour un petit moment. Mercredi je ne sais pas, jeudi je sais qu'on va faire les courses, vendredi je ne sais pas, mais voilà, enfin bref. Donc je pense que cette semaine il n'y aura pas réellement de créa. Ah si, j'ai une page de journal art. Donc il y aura une page de journal art. On est quel jour? Mardi, lundi, mardi. Enfin bref. Donc ouais, c'est ça, ça doit être ça. On est lundi, mardi pour vous. Donc il y aura une page de journal art. Je vais faire la présentation tout de suite. Je vais aller mettre un t-shirt. Je vais aller me coiffer. Bon, coiffer ça va, je vais juste mettre un t-shirt, je vais faire la présentation. J'espère que cette petite page vous plaira. Déjà, il n'y a pas de parole et tout ça, donc je sais que vous appréciez pas plus que ça quand il n'y a pas de parole. Enfin bref, et quoi d'autre?
Mais à partir de la rentrée scolaire, je me remets à fond parce que déjà, un, tout mon thème, tous mes badges, mes trucs sont sur le thème de la rentrée scolaire. Donc, vu que lundi c'est la rentrée, je vais pouvoir faire des photos, les développer et travailler dessus. Voilà. Voilà. Et donc, à partir de la semaine prochaine, on reprend les grosses habitudes. Même si j'ai déjà dit, aujourd'hui, j'ai mis une photo sur Instagram en marquant, on reprend les habitudes en parlant de la plage, de Gruissant, tout ça. Donc, ouais, à partir de la semaine prochaine, promis. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez m'envoyer une carte ATC, rentrée scolaire, voilà, n'hésitez pas. Je ferai exactement la même chose que ce mois-ci, parce que là, au mois d'août, donc le mois d'août, c'était pour les vacances qui sont dans le classeur. Voilà, je vais tirer au sort le 31 août. Nous sommes le 20, 27, 27, donc 28 pour vous, je crois, si je me trompe pas. Donc le 31 août, je tire au sort parmi les ATC que j'ai reçus. Ouais, je peine à parler. Que j'ai reçus, et donc la personne recevra un petit lot. Donc je vais faire à peu près les mêmes choses, hein. Donc il y a un ou deux tampons, un tampon. Ouais, je vais faire un truc comme ça, genre un tampon, 3-4 badges, des pochoirs, quelques petits mots. Je vais faire un petit lot comme ça. Et donc, il y en aura 3. Je le répète, hein, parce que, au cas où, si vous ne l'avez pas joué, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où il y a marqué un giveaway, point d'interrogation, un haul. C'est sur cette vidéo-là qu'il faut commenter. Et sur ma page Facebook, il y a un article où il y a une photo avec marqué giveaway 2100. Voilà, donc je sais que quand je vous parle, on est 2132. Donc bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Allez, j'arrête de parler. Je vous dis donc à demain. Ouais, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas parlé. En tout cas, je suis content que vous soyez content que je sois revenu. Allez, j'arrête là. Je vous dis donc à demain si tout va bien. Tchou!